Ok, alors aujourd'hui je me suis posé une question. Et si on recréait une fondation SCP mais sur un monde normal? Alors vous avez peut-être vu ma vidéo où j'ai fait une fondation SCP comme sur un serveur en super flat, mais j'ai décidé de le faire évidemment en créatif parce que ce serait réellement trop dur de le faire sans. Mais sur un monde avec des montagnes et des rivières et plein d'autres trucs, mais en gros un monde normal. Alors on crée et ce serait bien évidemment en 1.20, je crois que c'est ça la mise à jour actuelle. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une fondation SCP avec on va essayer de faire le plus de SCP possible, bien évidemment sans mode. Alors parce que j'ai essayé de chercher beaucoup de vidéos sur Google, enfin YouTube, mais en fait rien ne dit quel SCP est-ce qu'on peut réellement faire sur Minecraft sans mode. Alors je vais vous préélargir comme ça va peut-être vous servir si mais vous aussi vous souhaitez créer une vidéo un monde SCP. Déjà on spawn dans. Oh non, pas ce biome. Je le déteste. Bah déjà il va falloir chercher un bon endroit où créer notre fondation SCP. Hein. On peut la créer à côté d'un. Peut-être à côté d'un biome, enfin je sais pas. Mais certainement pas dans ce biome. Bon les mecs, je pense que je vais arrêter de filmer et je vous remontre quand j'ai trouvé un biome sympa. Et ben les mecs, je crois que j'ai trouvé. Finalement, j'en suis pas si loin. Alors il doit être à peu près vers là-bas le biome où j'ai spawn. Et j'ai trouvé cette montagne. Ouais, c'est pas mal à voir, hein. Il y a un petit truc à côté là. Alors si vous voulez, je vous passerai la seed à la fin de l'épisode. Alors déjà ce que l'on va faire c'est que bah je sais pas, j'ai pas tellement envie de le construire dans la roche en fait. Je sais pas. Pour moi on va déjà le construire ici notre site. On va le faire comme l'autre site à mon avis. On va prendre des blocs de quartz sur lesquels on va extrêmement flou. Déjà, on va prendre les essentiels là. Du coup, on va prendre des panneaux, mais ça, t'es là pour l'instant. Alors, j'ai entendu parler de. Enfin, il y a beaucoup de SCP que je ne pourrais pas faire. Hein. Par exemple, SCP 5140, hein, pour en citer un. C'est des pleins de corps sur le mont Everest. Sur le mont Everest qui agissent. Je vais pas vous expliquer. Hein. Si vous voulez une vidéo, bah dites-le. Sur ce SCP, mais en gros c'est plein de corps sur le mont Everest, mais ça demanderait que je refasse le mont Everest. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est mort? Alors bien, je cherche des portes en métal. C'est où ces portes? Je crois que c'est même là-dedans. Alors hop. Alors on va déjà envoyer. Ok, alors finalement j'ai changé d'avis et je pense que je vais commencer à faire truc dans la montagne. Ok, alors en vrai, bon, ça a pris un petit peu de temps, mais en vrai je suis assez fier de ce que ça rend. Non, franchement, ça rend assez classe. Bon, alors du coup, je vais mettre la porte ici. Franchement, non, je suis assez fier. C'est assez stylé. Alors je pense que l'on va commencer. J'ai assez réfléchi sur la question avant que je construisais. Je pense qu'on va commencer par déjà créer les euclides. Alors là je vous reprends quand je fais un couloir près bien. Ok, alors du coup, hop. Je vais mettre un bouton là. Je vais vous montrer ce que j'ai à faire. Déjà pour le secteur euclide, comme vous l'avez bien vu. Petit escalier qui descend. Et j'ai même fait encore mieux. Premier SCP, allez. SCP 096. Hop, vous voyez, petit truc. Il n'y a strictement rien à l'intérieur, hein, parce que bon, dans tous les cas, je ne suis pas chaud pour aller regarder. Hop, voilà, petit ordinateur ici. Hop, voilà, tranquille. J'adore vraiment comment c'est fait. Donc voilà, en vrai. Je pense qu'on va encore faire un autre SCP, vous allez voir. Mais cette fois-ci en Keter.
Pour ça, je vais devoir aménager la zone. On se retrouve quand la zone sera aménagée. Je vous préviens, ce sera exactement pareil que l'Euclide. Ok, alors du coup, voilà, j'ai terminé la zone Keter. Alors comme vous l'avez dit, c'était exactement pareil que la zone Euclide. Non, et franchement, je suis assez fier de ce que ça rend. Voilà, c'est la zone Euclide. Ça, c'est la zone Keter. Hop. Alors. SCP 0 0 35. Eh oui, je l'ai fait celui-là. Bon, maintenant, j'aime bien le masque possessif parce qu'il y a plusieurs masques. Parfait. C'est quand même bien pratique de pouvoir refaire ça finalement. Du coup, hop, et voilà, j'aime bien son truc, voilà, c'est ça. Alors, le vert noir, c'est un truc, envers son pouvoir corrosif, qui est son étrange liquide noir visqueux. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour le tout, enfin, peut-être pas s'arrêter là. Non, finalement, j'aimerais bien vous faire un autre SCP. En sûr, encore une fois. Et bah, je vous fais déjà la zone et après, bon bah, après, je vous montrerai. Je croyais que les lapins existaient, moi. Bon, bah, j'ai cherché du coup du. Et bah, ouais, faire spawn une tour de lapin pour que les lapins blancs n'existent plus visiblement. Enfin, pas dans le game. Ah, ça fait du bien moral parfois. Ok, hein, du coup voilà, j'ai fini le massacre de la quoi. Non, t'inquiète, j'ai pas massacré environ beaucoup de lapins. Alors du coup, bon bah vous avez peut-être compris. Lui, l'élu, SCP 524. On n'a qu'à dire que pour le roleplay, il les a tous bouffés, hein. Ah, qu'il est méchant! Bon bah oui, je savais que la pince c'était des créatures du diable, hein, tous les cas. Non, c'est sur mon avis, c'est sur ça que. C'est sur ça. Ah oui. Il fut une forêt ici avant. Dévastée à coups de briquet. Eh oui. Les écolos ne seraient pas fiers de ça. Mais bon. En tout cas, cette vidéo est terminée. Enfin voilà, j'espère que vous l'avez bien aimé.